fait maintenant la 15e année que la Chambre de commerce chinoise organise un événement de cette envergure. Et c'est le Chinatown Food and Culture Festival. Cette année-ci, nous prenons comme thème, si vous voulez, le partage nos cultures, partage nos héritages. Pour moi, c'est un événement qui, toute l'année, qui tout le monde culture de Maurice qui fait une exhibition. C'est toute la culture chinoise qui nous apprend beaucoup de choses. Ce dité, ce minfrier, ce dirifrier, ce boulette, et aussi spécialement ce mangato qui est aujourd'hui, qui nous a donné le goût ici live. La cuisine chinoise l'est bien goûtée. Avec ben différents ingrédients qui servent dans cette cuisine-là, nous retrouvons toute qualité saveur. Egg, sucré, salé et parfois un mélange de tout ça là. L'événement InVine, un événement attendu par tous les Mauriciens. Vous trouvez vous-même que pendant toute la durée du festival, il y a les Mauriciens, de toute communauté, les Mauriciens, les touristes, de partout. Dans presque tout pays du monde, qu'il est l'Orient ou l'Occident, ban Chinois finit firme zot l'identité. Zot présent dans un endroit que pas t'y croire. Et zot fin créé zot quartier sinon. Il y a la fête ici, on est ici qui était mangé, bois, tout bon souris. Chihuan, Chongguo de Meiji. Bon mangé, on est ici, on a bon mangé ici. Ce festival nous met en valeur le Chinatown qui date de très très longtemps, dans les années 1830-1840. Quand un Chinois vient arriver à Maurice, la première des choses qu'ils ont envie de faire, c'est dans la campagne pour faire la boutique. Alors, dans la boutique là, chaque semaine, je descends pour lui pour faire approvisionnement. Mais sinon, il y a un système qui s'appelle le clan. Par exemple, moi, mon nom m'appelle Limfat. Mon clan, c'est Lim. Alors, chaque Chinois, il appartient à un clan. Et par exemple, moi, mon clan dans le clan Lim, et dans le clan Ning, et dans le clan Wong. Alors, tout ça, là, vient concentrer pour lui qui fait, parce qu'ils ont besoin d'acheter cette marchandise. Là, je tenais un local pour lui, dans ça pour lui. Quand je prends toutes cette marchandise, je le mets dans un quartier général, et puis le lendemain, je prends ça pour s'arrêter, je remonte la campagne. Mais quand une nuit, je traite ça pour lui là, qui fait ça à l'époque là? Pour gagner toute bonne information. Par exemple, si un Chinois finit décédé dans le sud, qui vient dans le nord, il ne connaît pas qui dans ce clan un décédé. C'est quand il descend pour lui qu'il gagne toute bonne nouvelle. Par exemple, quand il y a un mariage aussi, quand il descend dans son headquarters, dans ce clan, les là, ils connaissent un tel peut marier, il vient de 64 mariages, etc. Et puis, correspondance en Chine. Pas parler de la boutique, tout correspondance de la Chine vient d'un quartier général, ban clan. Mais les là, ban clan là, ferme, les autres membres connaissent, là, il y a une lettre fin venir en Chine, il y a telles affaires fin venir. C'est pourquoi les là, concentrés dans un quartier à pour lui, pour tout ce monde clan là, capable de jouer ensemble,
Et en même temps, je suis capable de partager de l'expérience, je partage de nouvelles qui passent en Chine, partage de nouvelles qui passent dans la commune du nord au sud, de l'est en ouest. C'est ça qui facilite de la cause très satisfaisante à attendre. C'était le centre commercial que tout le monde produit, la boutique qui vendait, et comment je tout connais, les Chinois. Et je l'ai introduit à Maurice, comment on appelle quand on est la boutique. Alors, où aller, la fin du mois, Pénacas pour acheter. Ou bien pendant le mois, ni mettre ni dans le cornet. Les crédits, combien on prend, qui s'en a une prend, la fin du mois, quand vous gagnez ou la paye, vous payez. Et c'est ça un développement de l'économie de Maurice, qui aide à l'économie de se bâtir, de développer pour qu'on arrive jusqu'à ce qu'on était aujourd'hui. Chinatown, les bien réputés pour commerce. Il y a un point central, capitale Maurice. Dans tous les pays aussi, il y a Chinatown. À Maurice aussi, pour nous, c'est bien qu'on nous mette en valeur le quartier Chinatown et nous faire revivre aussi ce quartier-là et nous montrer, et pas seulement aux jeunes sino-mauriciens, mais à toute la population, qu'est-ce que c'est la culture chinoise. À chaque fois qu'il y a une activité chinoise, nous ne pouvons pas dissocier nous avec Pétarade et Danse du Lion. C'est très important. Pétarade, c'est un tapaz, un tapaz. Le tapaz, c'est tous les mauvais esprits. Les tapaz, tous les mauvais esprits sauvés. Deuxième, c'est le Danse du Lion. Danse du Lion, c'est dans toutes les activités bien pour autant de la Danse du Lion, comme à l'année chinoise, fête mine, c'est je apporte bonheur et prospérité dans cet événement-là, dans la casa, dans la pagoda, n'importe quelle structure, j'amène bonheur et prospérité. Activité, nous avons Danse du Lion et Danse du Dragon. Alors, Danse du Lion, c'est deux personnes, un devant, un derrière. Devant là, il attrape sur la tête et sur les pieds, fait comment dire, sur la patte devant. Il y a deux qualités Danse du Lion. Il y a le northern part, et le nord et le sud. À Maurice, nous faisons le sud. Le sud, c'est tout le temps deux djimoun en bas un lion. La tête et le corps est à l'arrière. Mais le nord, le lion est différent. Il est tout le temps en l'eau, presque en l'eau. Okay? Et puis, il y a deux qualités de lion dans le lion du nord. Il y a un seul djimoun avec un deux djimoun. Qui fait la différence là? Il y a un seul djimoun qui fait lion là, c'est un enfant lion. Il y a deux djimoun, c'est un adulte lion. C'est pour ça qu'il y a deux. Mais Maurice, nous pas faire le nord, le nord, nous faire le sud. Le sud, c'est dans la région de Guangdong, Hong Kong, Guangzhou, c'est dans la région du sud. Nous faire ça. Et Maurice, nous adopter le danse du lion du sud. Tous les ans, nous gagnons l'aide de l'ambassade populaire de Chine et puis avec aussi la collaboration du centre culturel de Chine qui aide nous à faire venir la troupe de différentes provinces chaque année. Cette année-ci, nous avons la troupe de Hebei qui vient qui fait une performance ces deux jours.
une année où acrobatie purement, c'est une année là nous gagnons un peu mélange, acrobatie et puis clown et puis changing face et, qui est vraiment intéressant. En plus de ça, nous avons beaucoup d'artistes mauriciens qui nous font participer, nous donnent l'occasion pour venir présenter le numéro sur scène. Je participe dans le Chinatown Festival et ça a l'air aussi bien content comme petit film d'Arco, participe pour Little Miss Chinatown. Nous choisissons sa robe et l'India maman fait ses cheveux, son maquillage. Mais tout ça, c'est pour promouvoir la culture chinoise et c'est un événement qui bien continuer et aussi encourage comme s'il a la vie dans pour lui. Motiver comme si ça me fait lui plus en confiance avec lui-même et là il réaliser qu'il comme si mandarin important et la danse chinoise aussi important donc tout ça ça contribue parce que de tous les jours nous plutôt que ce français anglais mais pas autant le chinois donc Chinatown Festival encourage ça. Je devine avec plaisir et nous avons une compétition. La première compétition sera le Little Miss Chinatown. C'est pour montrer qu'il y a une valeur aussi dans notre habillement, comment vous habiller, de suivre culture. Et le Little Miss, c'est pour donner aussi l'opportunité d'affronter le public depuis un très, très jeune âge hein, et montrer qu'ils ont un talent. Comme toutes les filles, elle est gentille, mais elle est aussi un peu impatiente. And we both know this is not the world we had in mind. But we got time and we accept the nonsense we can't find. I'm on my way. À 5 ans, imaginez-vous, leader de bande à 5 ans. Mais wow, ça promet, ça promet. Allez. Ça va? Oui. Hein? Allez. Elle est sage, elle est gentille, elle est obéissante. Bravo, Alia. Depuis l'âge de 4-5 ans, on a des enfants qui ont un potentiel incroyable. C'est ce que nous essayons de découvrir aussi avec l'événement de Got Talent.
of the light. Cause you're trying to hide, but I know the feeling like you're dying inside. And so put me in your shoes for one last time, and I'll try to figure out why. Cause you don't need a fight to be who you are inside. And there is a light that will lead you to where your heart desires. Kiltia sinois, les biaris, les riz en couleur et en symbole. C'est un kiltia qui en harmonie avec la nature et tout banni. Je connais le rouge dans la communauté chinoise, c'est très dominant, parce que le rouge, c'est représente bonheur. Okay? Puis, il y a le jaune. Le jaune est l'eau. Mais malheureusement, nous pas qu'à mettre un linge, l'eau nous mord, c'est pas tout. Alors, ce qu'il nous fait, nous prenons jaune, nous substituons à l'eau. Le rouge, bonheur. Le jaune, c'est le pouvoir, puissance. Parce que longtemps, ils sont empereurs qui ont le droit de mettre ça. Mais à ce stade-là, tout le monde peut mettre jaune. Et même dans le linge chinois, soit devenir avec couleur jaune, soit devenir avec couleur rouge. Il y en a beaucoup qui vous savez, continue sa culture là, parce que nous ici, dans la chambre de commerce chinoise, et nous pas là tous les temps. C'est eux qui vous allez prendre la relève. Et c'est maintenant de montrer quelle culture qui est là, et monsieur qui nous peut attendre ban là qui prend la relève après. Hein, et me supposer là, je pourrais attacher plus à la culture chinoise.